Alexandre Buisson, vous présentez Chilcoot-Trail, qui s'est plutôt pas mal comporté depuis le début du meeting d'hiver. Dernièrement, il a fait la faute, mais auparavant, il trottait 13,5 sur les 2007. Oui, voilà, c'est le cheval a besoin de me rassurer depuis un moment. Il a l'air de montrer un peu son visage qu'il n'a pas montré cette année. Et il a encore besoin de nous rassurer. Pourquoi il a fait la faute dernièrement? Le déferrage à 10 jours d'intervalle, ça lui a pas réussi sur une piste qui était un peu plus fine. Ici, 2100. 2100, c'est sa distance à Vincennes. Maintenant, on va être tributaire du numéro parce que on a zéro marge. Si on est entre 1 et le 5, on peut espérer une place dans les 5 premiers. Au-delà, ça va être compliqué. Au niveau de sa forme, il vous montre quand même qu'il a encore envie et c'est quand même un bel engagement. Au niveau de sa forme, le cheval a l'air d'être mieux qu'auparavant. Maintenant, j'attends confirmation. Et l'adversité, c'est plutôt correct, sans les jeunes et sans les étrangers? Ben voilà, je pense que s'il a montré, si on a avant le Chilcoot, ce sera samedi, parce qu'il y aura pas des courses beaucoup plus faciles que celle-ci au niveau de l'engagement.